tout le monde, c'est Finx43. On se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Pixelmon FR. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc la dernière fois on avait entraîné un peu nos Pokémon par là-bas, enfin en sortant de la ville. Et on avait aussi essayé l'arène, on n'y était pas arrivé. Par contre je viens de voir ça, c'est pour ça que je vous ai pris maintenant. En fait, can you catch can... Ouais non, j'ai pas trop le temps en fait. Je peux pas attraper 15 Pokémon normaux. On sait maintenant qu'il y a des quêtes. Allez, on va aller retenter l'arène, mais à mon avis, on va perdre encore, mais bon. Hop. Ah, toi, je t'avais pas battu? Je pensais. C'est pas grave. Ça ne peut qu'entraîner un peu plus mes Pokémon. Pour ça, il me semblait que t'avais battu. Alors on va bien finir par y arriver. Allez, on y est presque. Ah, il est amoureux. Ah, punaise. Il va pas y arriver à le tuer. Ouf. Si on pouvait faire un gros coup critique là, ça serait cool. Mais bon, il l'attaque pas. Ok. On s'est fait défoncer. Allez, Rexilius. On va faire morsure. Voilà. Hop. Voilà. Non mais oh. J'ai pas de rappel. Non. N'ai pas de rappel moi. J'ai pas de rappel, c'est pas grave. On va prendre Exilius en premier. Non, Fantominus, tiens. Ou Togepi, tiens. Mais. Ouais, voilà, en fait, ceux que j'ai déjà affrontés, ben, je peux les raffronter. Ok. D'un côté, tant mieux. On va mettre un piège de roc juste derrière. Comme ça, s'il y a un autre Pokémon. Tac, on va faire écrasement. Tac. Non, je suis trompé de bouton. Allez. Hop, on va changer du coup. On va envoyer Crocodile. Morsure. Pistolet à eau. Ok. Parfait.
Voilà. Crocodile qui va prendre crogivre, ça c'est cool. On va enlever ça. Ah, il a esquive. Parfait. Parfait, on a remporté le combat. Antidote et antipara, ok. Tac. On va sacrifier notre crocodile pour pouvoir y envoyer. Bah, il a pas envie d'être sacrifié. Hop, pistolet à eau. Ok. Allez, Rexilius. Écrasement. Parfait. Niveau 20. Et niveau 15 pour Togepi. Charme, non, on va pas la prendre. Du coup, je fais une ellipse. Je vais aller soigner mes Pokémon. Et je vous retrouve donc tout de suite pour affronter la championne. Et redonc, c'est bon. On se retrouve à l'arène. J'ai mis Rexilus en premier, enfin, on voyait comme ça. Tout simplement comme ça, je peux mettre le piège de roc. Voilà. Allez, on va faire écrasement. Allez, on y croise les doigts. Pour le moment, ça va, on se débrouille plutôt bien. Ah, voilà, c'était ce que je craignais le plus, le coq. Tac, allez, écrasement. Décidément. Ah non. Allez. Aïe. Recoups. Ah non. J'aime pas trop le écrémeux, il va nous faire les aboires, voilà. Aïe. Ça va pas être évident les amis là. Ok. J'ai pris cher. Là-haut. Il est relou avec son laboire lui. Ok. Ah, punaise. On va pas y arriver. Hein. Je me fais défoncer. Allez, Togepi, tu vas mourir aussi. Voilà, super. Plus qu'est-ce qu'ils craignent les Pokémon
train de regarder un truc. C'est des Pokémon de type normal, donc qu'est-ce qu'il pourrait craindre déjà? Alors, elle avait un Mélofée déjà. C'est pas des types combat ou un truc comme ça qui craignent. Poison et acier. Ah. Et l'écrémeux. Ah, j'ai eu peur, je suis pas à Doublonville là. Allez, on va y retourner. Combat. Combat pour écrémeux, mais on n'a pas de combat. Mais bon, si on peut déjà réussir à battre le Mélofée, ça serait bien. Allez, hop. On va le faire comme ça. Hop. Allez, aile d'acier. Ok. Ah oh, punaise, c'est chiant ça. Débile. Ok. Allez. Ah oh, c'est chiant. On peut pas arrêter un peu de faire le coq. On va jamais y arriver s'il continue comme ça. Allez, courage, on peut y arriver. Je vous jure. C'est relou. On continue. Je sais même pas combien il y en a de trucs de coq. Il y en a 10. On va bien finir par y arriver. C'est relou. Vous voyez, je suis en train de regarder, il n'y a que le Vénard et l'Euphorie qui peuvent avoir. Ah non, il y a Mélofeu aussi, j'ai rien dit. Aïe.
Ah, les pièges de roc déjà, hop. Ça ne va pas être évident. Comme on n'a pas d'attaque type combat. Aïe. Mais punaise, c'est chiant. Pas arrêter d'endormir, enfin de rendre amoureux. Bon, re tout le monde. Donc oui, j'ai coupé le record avant de perdre, forcément, tout simplement parce que aujourd'hui on va essayer de trouver tout ce qui est Pokémon type combat, enfin si possible, ou tout simplement améliorer nos Pokémon et en attraper d'autres s'il faut. Tac, on va entraîner Otaria, tiens. Du coup, ouais, on peut raffronter tous les autres. Mais je suis bête. Attendez, si on va changer, on va prendre Crocodile. Non, non, non. Hop, pistolet à eau. Voilà, j'ai pas eu le choix. Un sablette. Et un maril, super. Hop, on change, on va mettre Exilius. Aïe. Allez, écrasement. Tac. Voilà. Otaria qui monte niveau 15. Hop. Allez. Oh là là. On va changer tout de suite. On va y envoyer vers Exilius. Hein. Hop, écrasement. Aïe. Voilà. Parfait. Oh, mazette. Tac, toi. On va se louper. Allez, un topiqueur. On va lui faire avec la glace. Ah non, il va me tuer. Dommage. Ah bah Togepi. Ok, piège de roc, pourquoi pas. Hein. Ah non, mais c'est. Tac. Allez. Aïe.
Ah, on peut pas changer de Pokémon. Punaise. Voilà. Et un Zubat. Oh, mais je suis vraiment nul en fait aujourd'hui. Du coup, je fais une ellipse, je vais soigner mes Pokémon et je vous retrouve tout de suite. Allez, re tout le monde, donc c'est bon, je suis de retour. On va envoyer Crocodile en premier. Je crois que lui, c'est un gars qui est pyro en fait. Ouais, Magmar. Allez, pistolet à eau. Vous te faites bien fait. Crocodile qui monte niveau 22. Voilà, on a remporté le combat. Très bien. Allez, toi là, un Voltorb. Parfait. Ah, là par contre, aïe. On va changer, on envoie Rexilius. Hop, écrasement. Parfait. Otaria qui monte niveau 16. Ouh. Rexilius qui monte niveau 21 en plus. Oh, mais ça suffit. Pourquoi il est mort? Ah, mais oui, il y a le boom final. Ok. C'est pas grave. Ah, décidément. Allez, le petit flic. Hop, on change. On va envoyer Fantominus. Hop, ombre nocturne. Aïe. On va changer en fait, hein. Hop, pistolet à eau. Voilà. Fantominus qui monte niveau 17 en plus. Et un soporifique. Un hydrant ou un abra. Du coup, on arrive au parc naturel. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de retourner à Doublonville pour soigner nos Pokémon, s'il vous plaît, ne combattre que dans un. Ok. Ah, mais non, je pense pas qu'on pourra se rendre dans l'autre ville du coup. Donc il y aura. Ah, mais on a des dresseurs là aussi. Donc pas aller, hein. Un Abra. Je pense qu'il va essayer de faire que téléport. Ah non. C'est pas cool ça. Hop, hypnose. Ah, il esquive. Allez, vive attaque. Voilà. On recoupe ce qui monte au 26. Voilà. Et encore un Abra. Voilà, on l'a battu. Si on pouvait trouver un centre Pokémon dans les parages. Là, ça nous mène où? La route 35. Minutos. Pokémon
Pokémon recoupe. Ok. Tac, tornade. Ah ok, on arrive juste là. Ah, lâche-moi. Est-ce qu'on a moyen de sortir par là? Non, je pense pas. Je pense qu'on va rester coincé là, à moins qu'on peut. Si. Ah, il y a un dresseur là-bas. Un recul. On va changer. On va y envoyer Crocodile. Allez, c'est pas grave. Hop, on va lui faire Crogivre. Parfait. Aïe. Parfait, on a battu ce dresseur là aussi. Du coup, on va pouvoir s'arrêter là, je pense. Hein. On va aller juste voir au shop s'il n'y a pas des attaques de type combat. On va faire comme ça. Hein. Pour Rexilus, ça serait pas trop mal qu'il ait des attaques de type combat. Du coup, je vais aller voir, je vous retrouve tout de suite si c'est le cas. J'ai acheté une attaque de type combat, sauf que j'ai aucun Pokémon qui peut la prendre, c'est génial, j'adore. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ou deux derniers combats, histoire qu'on continue d'améliorer un peu nos Pokémon. Et au prochain épisode, ben, on essayera de battre la championne. Oh non. Notre coupe-ci va mourir. Ouais, il est meilleur. C'est pas grave, on envoie Otaria. On va tenter comme ça. Hop, éclat-glace. Aïe. Ouf, j'ai peur que ça allait bugger. Hop, Otaria qui monte niveau 17 et Fantominus niveau 18. C'est à quel niveau qu'il évolue, Fantominus? Ah, là, il y a un truc. Un réveil. C'est bien le moment d'en trouver un, tiens. Bah non, je l'ai pas le Carapuce à eau. Bon bah finalement on n'aura pas le choix de se laisser là. Qu'on a. Ah, ça serait bien d'avoir un Caninos. Vas-y, moi j'ai un Caninos. Ah, c'est des bons. Le Caninos niveau. Mais non, pas toi. Mais je m'en fous du recul. Je fais le Caninos moi. Hop, reste avec moi toi, merci. On va éviter de le tuer quand même. Donc on va pas faire d'attaque de type eau. Eh bah forcément. Ah non, c'est bon. Allez. Hop, sac, bol. Pokéball. Yes. On a attrapé un Caninos. Qu'est-ce que tu veux toi? Voilà, laisse-moi tranquille.
Après, qu'est-ce qu'on a par ici? Il y a un Nidoran qui pourrait être pas trop mal aussi à attraper. Tac toi. Non. Poupée, là. Voilà. Tac. Allez, hop. Et oui, en plus il a double pied, donc ça pourrait être pas trop mal tout ça. Hop, Pokéball. Yes. Aïe. Il me l'a tué, quoi. Allez, juste pour le plaisir. Voilà. Tout laisser. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là pour ma part. Je vais retourner à Doublonville avant de... avant de couper. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. J'espère qu'au prochain épisode on arrivera donc à battre la championne. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.